Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce puissant moment que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir entrer dans tes parvis en bonne santé, Seigneur, en joie. Merci Seigneur parce que ta gloire, Seigneur, resplendit en ce lieu. Et tu prends, Seigneur, le contrôle de ce moment que nous allons passer, Seigneur, avec toi. Merci pour ce puissant culte dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis très heureux. Je ne sais pas pour toi, mais la joie remplit mon cœur pour ce moment, pour ce dimanche matin, parce que je suis dans la présence de mon Père. Je ne sais pas d'où tu me suis. Peut-être que tu me suis d'un continent étranger. Peut-être que tu me suis d'un pays étranger. Mais sois la bienvenue au culte Bloom. Parce qu'à Bloom, nous sommes des jeunes enjaillés de Jésus. Nous sommes des jeunes qui soupirent après Christ. Et bienvenue dans notre culte. Et sois-toi bien. Tu vois, les circonstances de la saison font que nous sommes obligés de nous suivre en ligne pour pouvoir faire notre culte. Mais laisse-moi te dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est ta personne et ma personne réunies ensemble qui formons l'épouse du Christ, qui formons l'église. Et aujourd'hui, nous avons célébré notre Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais il y a une joie qui m'anime lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Alors si tu es d'accord avec moi, de là où tu te trouves, tu vas te lever. Tu vas te lever, voilà. Tu vas te lever. Tu vois, ton voisin qui t'intimidait d'habitude à la Villa Kodesh, il n'est pas là. Donc tu vas te lever et tu vas faire comme moi, tu vas faire comme moi comme ça. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur, je te dis merci pour ce puissant moment que je vais passer en ta présence. Et tu vas pousser un cri de joie. Alléluia. Alors nous entrons dans les parvis de notre Seigneur avec la louange dans notre cœur, avec ses louanges. Et sur le balai danse. C'est pas compliqué. Ensemble, tu vas dire avec moi, oui. Je suis fou, fou de Dieu. 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 La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, je suis fou, fou de Dieu. 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 Ah, la joie du Seigneur est ma force. 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 Danseur de l'aigle, danseur de l'aigle. Je vole au-dessus de tous mes problèmes. Quelles que soient les difficultés, rien ni personne ne pourra me stopper dans mes rêves. Il n'y aura pas de chèvre. L'ennemi sera brisé. L'éternel est mon cèpe. Ah, qui veut me mépriser? Je suis la tête et non la queue. Il a fait de moi une flamme de feu. Je suis fou et passionné de Dieu. En moi, c'est l'esprit de Dieu qui se meut. Destiné à briller, l'échec est dans la poubelle. On traversera le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Sans effet à tous les jaloux, Dieu est avec moi, ton kawalou. Dieu m'a tiré de la boue. Il me guide chaque jour sur ma route. Je ne suis pas de ce monde, mais pourtant j'y suis. On va tous les convertir par la grâce du trône. Je suis fou, oui je suis fou, oui je suis fou, oui je suis fou. Parce que la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Lève-toi avec moi et chante. Oui je suis fou, je suis fou, fou de Dieu. Oui je suis fou, oui je suis fou, oui je suis fou. Parce que la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Tu vas dire tout doucement avec moi. Malembe, malembe, c'est notre nouvelle devise. Les derniers seront les premiers, l'a déclaré le Christ. Le manteau de Christ, sa vie matrice, rien ne matrice. Dans son kingdom, sa vie Zoé est animatrice et réparatrice. Oui, 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 de gloire en gloire, il nous conduit vers le sommet. Dans le royaume céleste, la foi est l'unique monnaie. Les épreuves sont des glaçons, la main de Dieu est mon chauffage. Il n'y a que devant le diable et ses démons que je deviens sauvage. Attends pas le temps d'être civilisé, quand tu vois qu'il a tant matérisé. Son action va être paralysée, car on l'a déjà analysé. Je ne vis plus pour moi-même, mais c'est lui qui vit en moi. Ma vie n'est plus la même. Il m'a rempli. Je suis fou. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Parce que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, je suis fou. Je suis fou. Fou de Dieu. 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 Parce que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux le danser, on est ensemble. Si tu veux le louer, on est ensemble. Si tu veux le danser, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Si tu veux le danser, on est ensemble. Si tu veux le louer, on est ensemble. Si tu veux le danser, on est ensemble.
Remets tes pas dedans, par ici. 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 Je dis, remets tes pas dedans, par ici. Remets tes pas dedans, par ici. Remets tes pas dedans, par ici. Oui, je suis fou, fou de Dieu. Je suis fou, fou de Dieu. Je suis fou, fou de Dieu. Je suis La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, je suis fou, fou de Dieu. Je suis fou, fou de Dieu. Je suis fou, fou de Dieu. Ah, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu es vraiment fou de Dieu? Tu sais, si tu es un fou de Dieu, tu vas te lever de là où tu es. Voilà, tu vas te lever de là où tu es. Et tu vas te montrer ta folie par un acte vraiment un peu bizarre. Je sais pas, peut-être que tu vas bousculer ton voisin, si tu as un voisin. Ou bien tu vas pousser un vrai cri. Un cri de fou. Alors que moi, tu vas montrer ta folie. Montrer ta folie pour le Seigneur. Hey! Alléluia! Le psalmiste pouvait dire au chapitre 84, son verset 11, il dit, un jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Il pouvait dire encore au verset 3, il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Oui, je ne sais pas pour toi, mais je soupire après ses parvis. Quand je suis dans sa présence, il y a une joie qui remplit mon cœur. Il y a une joie qui remplit mon cœur. Et cette joie qui remplit mon cœur là, elle est due à un seul fait. Dis avec moi, un seul fait. Un seul fait. Dis avec moi, un seul fait. Un seul fait. Cette joie qui remplit mon cœur, elle est due au fait que je viens dans la présence de celui-là qui m'a aimé. Amen. Je viens dans la présence de celui-là même qui a accepté d'aller à la croix pour moi. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais quel que soit le meilleur ami que tu as, il n'allait jamais accepter de faire cet acte-là pour toi. Et celui dont je te parle, son nom c'est Jésus. C'est lui qui m'a pris des ténèbres et m'a envoyé dans sa lumière. C'est lui qui... accepter de rester avec moi, malgré toutes mes faiblesses, tous mes défauts. Et ce gars-là, son nom c'est Jésus. C'est lui que je veux célébrer. Laisse-moi te dire que c'est lui que David était en train de célébrer lorsqu'il dansait. Et non, je veux le louer. Ah, moi je veux le louer. Je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Je veux l'adorer. Oui, moi je veux le louer. Je veux l'adorer. Je veux le louer. Je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Je veux l'adorer. Je veux le louer. Je veux l'adorer. Mais moi je veux le louer. Je veux l'adorer. Parce qu'il a tant fait pour moi. Hey. Ah, de gloire en gloire, je veux y aller. La vie de péché, j'ai abandonné. Mes amis disent que je suis comme Palmeréo. Parce que de toi, je suis innové. Depuis le jour où je t'ai donné ma vie, t'as pris soin de moi, tu m'as donné l'envie de te suivre pour demeurer dans tes parvis. Puis moi, ainsi, je ne veux plus partir. De ton esprit, tu m'as oint. De brillant, je suis devenu sage. Désormais, je veux aller encore plus loin. Donc, je me livre, mais Christ à la page. Christ à la page. Je vis pas dans une bibliothèque, mais quand le diable chez moi, tout le monde chut. Je n'écris pas mieux que plusieurs au fait. Quand j'écris mes tests, l'esprit, mais ça touche. L'esprit, mais ça touche. L'esprit, mais ça touche. L'esprit, mais ça touche. Oui, quand nous on rappe, quand nous on chante, l'esprit, mais ça touche. Oui, quand nous on rappe et quand nous on chante, l'esprit, mais ça touche. Ah, l'esprit, mais ça touche. Ah, touché. L'esprit, mais ça touche. L'esprit, mais ça touche. L'esprit, mais ça touche. Oui, quand nous on rappe et quand nous on chante, l'esprit, mais ça touche. Quand nous on rappe, quand nous on chante. Ah, c'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. Oui, c'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. Je dis c'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est Jésus le best. Je dis c'est Jésus mon crush. C'est Jésus mon crush. C'est Jésus mon crush. Nous deux, nous deux, nous deux. Nous deux, on est amis. Pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur. Oui, et nous pour deux, le pire. Nous deux, on est habillés. Hey. Nous deux, c'est pour la vie, hey. Pour le meilleur et je pour dis, le pire. Je pour dis, le meilleur oui, et nous pour deux, le pire. Nous deux, on est habillés. Hey. Nous deux, c'est pour la vie, oui, hey. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur. Oui, et nous pour deux, le pire. Nous deux, on est habillés. Nous deux, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur. Ah, position, position du pipi, yo, la danse du bonheur. J'ai dit 1, 2, 3, bloqué, pi, encore, pi, position du pipi,
meilleur et pour le pire. Pour le meilleur oui, et nous pour deux. Le pire. Nous deux, on est alliés. Nous deux, c'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Je dis, nous deux. Nous deux, on est alliés. Nous deux, c'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Nous deux. Nous deux, on est alliés. Jésus. Nous deux, c'est pour la vie. Oui, Jésus. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Prends position, dis sans content. Sans content, sans content. Ah, sans content. Sans content, sans content. Ah, sans content. Sans content, sans content. J'ai dit, sans content, nous allons vers notre maître. Tout le monde, sans content. Sans content pour Jésus. Sans content, sans content pour Jésus. Sans content pour Jésus. Sans content, sans content. Tout le monde, sans content pour Jésus. Sans content pour Jésus. Ah, sans content pour Jésus. Position du sans content. Ah, sans content. Sans content, sans content. Hey, sans content. Sans content, sans content. De là où tu es. Prends la position du sans content. Tu sais, la venue de Jésus est en train de s'accélérer. Et pendant que nous posons ce pas prophétique, c'est une manière de dire que nous nous rapprochons de Jésus. Nous allons vers notre maître. Et donc tu vas prendre ce pas, tu vas dire avec moi. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Tout le monde est. Tout le monde est. Ah, tout le monde. Ils sont contents pour Jésus. Ils sont contents, ils sont contents pour Jésus. On y va. On marche vers le maître. On marche vers Jésus. Tout le monde est content. Zakata, zakata. Tout le monde est content pour Jésus. Zakata, zakata pour Jésus. Tout le monde est content pour Jésus. Zakata, zakata pour Jésus. Ah, Jésus. Jésus, dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui nous a sauvés. Jésus, c'est celui-là qui a donné sa vie pour nous. Jésus, c'est celui par qui, par son sang, nous avons la vie. C'est celui par qui nous avons la joie. Regarde, pendant que tu suis ce culte, tu vois une joie qui est en train d'animer des jeunes qui sont comme toi. Laisse-moi te dire une chose. Cette joie ne vient pas de quelque chose d'autre. Laisse-moi, ne te pose pas de questions. Cette joie vient d'une personne. Et cette personne a son nom, c'est Jésus. Il y a besoin d'homme. Il y a besoin d'homme. Je dis, il y a besoin de. Ah, il y a besoin de. Il y a besoin de. Ah, il y a besoin de. Je dis, il y a besoin de. Jésus là. Je dis, Jésus là. J'ai dit Jésus là. J'ai dit Jésus là. Jésus là. Jésus là. Jésus là. J'ai dit Jésus là. Jésus là. Jésus là. Nous deux, nous deux, nous deux. Nous deux, on est habillés. Nous deux, c'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et nous deux. Nous deux, on est habillés. Nous deux, c'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et nous deux. Je veux que tu te lèves de là où tu es. Que je commence à célébrer le Seigneur par de pas de danse, par des cris, par des acclamations, par une action de grâce, par un cœur reconnaissant, par une volonté de vouloir faire plaisir au Père, par une volonté de vouloir faire plaisir à celui qui a donné sa vie. La Bible pouvait dire en Romains 12 au verset 1, il dit que le culte qu'il est agréable, c'est que nous lui offrons notre vie en sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Laisse-moi te dire frère, offre-toi Jésus ce matin, offre-toi Jésus ce matin et pour son cri de joie. Le fait de se tenir là, dans sa présence, est-ce que tu peux expérimenter avec moi, en ce matin, la présence, la douce présence de Jésus? Ah, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Encore, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons.
Oh, ce matin, nous voulons nous livrer entre les mains du Seigneur. Nous voulons dire, je me livre à toi comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur, Jésus, nous voulons nous livrer à toi. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 1, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. En ce matin, nous voulons nous livrer au Seigneur. Nous voulons nous livrer au Seigneur. Nous voulons lui dire que nous nous donnons un parfum. Et ce matin, je veux partager avec toi ce chant qui dit « Je me donne un parfum ». Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui t'aime, Jésus. Je veux m'offrir à toi comme tu nous le dis en Romains 12. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum. Ah. Je vais le redire encore. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum. Je me donne ce matin. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum pour toi. Yes. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum ce matin. Prends-moi.
Nous n'avons pas peur. Au contraire, nous sommes dans la paix parce que tu nous as promis en Matthieu 28, verset 20. Et moi, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons, Seigneur, en ce que tu as dit, que tu es là, que tu es présent avec nous. Et même si la mer, tous les courants d'eau se sont posés à nous, nous voulons juste croire en ce que tu as dit, que tu es là chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es là. Tu es là, même si les océans se déchaînent. Ah, je les traverserai avec toi. Je dis
Je suis tranquille.
je suis tranquille. On te dit juste avec les voix. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu. Mais je le retire encore. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où il est, de là où il se trouve. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des acclamations vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous rassure? Nous avons chanté
Je suis tranquille, je suis en paix, car tu es là. Amen. Et ce chant me rappelle donc une histoire qui s'est déroulée avec Jésus et ses disciples. Et cette histoire s'est déroulée dans le livre de Marc, au chapitre 4, les versets 37 à 41. Et je vais lire la parole du Seigneur qui nous est relatée ici dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. Tu vas comprendre où on va. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et les disciples donc le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Demande à la personne à côté de toi: Pourquoi as-tu si peur? Quelle information as-tu reçue? Quelle information as-tu entendue qui fait donc que tu as si peur? Est-ce une actualité? Est-ce un certain dénommé virus rebaptisé COVID-19? Est-ce la peur du lendemain? Est-ce la peur de ne pas pouvoir manger demain? Est-ce la peur de perdre une source de revenus ou de voir quelqu'un dans son entourage être impacté par cette crise sanitaire? Demande-lui encore: pourquoi as-tu si peur? Pourquoi as-tu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et c'est Jésus qui continue de s'adresser à ses disciples. Comment n'avez-vous point de foi? Au verset 40. Et la Bible dit au verset 41: Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Avant de rentrer plus en profondeur dans notre message, donc toujours sur le thème du jugement pour les nuls et pour les pros, j'espère que tu l'as suivi déjà la semaine dernière, que tu as suivi la première partie. Nous allons continuer encore aujourd'hui, en ce jour béni là, pour parler de ce jugement et de ce que Dieu attend de nous. Mais avant cela, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'exhorter quelqu'un qui est comme paralysé par la peur. Parce que comme nous l'avons appris par notre berger, le pasteur Mohamed, nous avons appris que cette pandémie est de la catégorie d'attaque de type Amalek. Donc Amalek qui se saisit en général de la peur, qui se saisit de la peur pour paralyser ses victimes, pour paralyser les personnes qui l'attaquent. Et ce virus est un virus de peur, est un virus qui nous saisit, qui nous paralyse par la peur. Et je souhaiterais que, avec nous, ce jour, tu puisses être délivré de toute forme de paralysie au nom de Jésus et que tu puisses commencer à entendre, à écouter, à discerner la voix de Dieu et à commencer à marcher comme ce qu'il attend de toi. Voilà que les disciples se retrouvent dans une barque en train de traverser avec Jésus. Jésus est dans la barque avec eux et Jésus s'endort. Il est assoupi et il dort dans la barque. Avec même, la Bible dit, un coussin. Pour te dire que c'était un sommeil doux et paisible dans lequel Jésus
se trouvait à ce moment précis. Et il y a eu un vent et les vagues ont commencé même à rentrer dans la barque, avec donc le risque pour tous ceux qui étaient dans cette embarcation de couler et de mourir. Ils avaient donc peur. Ils se sont tournés vers Jésus qui lui faisait quoi? Qui dormait. Et ça me rappelle une chanson, cette chanson qui dit « Le petit oiseau dormait alors qu'il était dans la fente du rocher. » On ne va pas le chanter. Si tu le connais, tu peux le fredonner de là où tu es. Amen. Mais Jésus était comme ce petit oiseau qui dormait dans la tempête pendant que le vent soufflait, pendant que c'était compliqué, pendant que la mort frappait. Et je suis marqué par quelque chose, c'est que les disciples vont faire quoi? Ils vont appeler Jésus. Ils ont le réflexe de se tourner vers Jésus. Et là, on a envie d'être content pour dire, ah, ils vont réveiller le maître. Ils vont l'invoquer dans cette situation. Ils vont l'invoquer dans ce mouvement de panique et de peur. Mais vous savez, il y a deux façons d'appeler Dieu. Il y a deux façons de prier. Tu peux prier, appeler Dieu, sachant que c'est lui la source, c'est lui l'origine de ta solution, c'est lui la source de ta guérison, c'est lui la source de ta délivrance. Comme également tu peux appeler Dieu, comme les disciples ont fait, juste pour venir paniquer avec eux. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont réveillé Jésus pour dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Viens au moins, on va s'inquiéter ensemble. Viens au moins quand on va mourir, on va se voir, on va pleurer ensemble. Alléluia! C'est comme ça qu'ils ont invoqué le Seigneur. Et malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, nous avons également appelé le Seigneur. Nous avons également invoqué le Seigneur. Pas comme le sauveur, mais comme le collègue de panique, en disant, ne t'inquiètes-tu pas. Pourquoi au ciel c'est si calme, alors qu'il y a une épidémie mondiale? Au ciel là-bas, vous ne vous inquiétez pas. Seigneur, Dieu, ne t'inquiètes-tu pas. Alléluia. Et tu vois, tu t'es retrouvé aussi dans cette situation où tu as prié. On a fait des temps de jeûne. Peut-être que tu t'es associé à ces temps de jeûne également. Mais, quand tu le faisais, tu invitais Jésus à venir avoir, à venir compatir, ou bien à venir crier, même pas compatir, mais à venir crier avec toi. Alléluia. Mais je prie qu'en ce jour, tu reçoives une révélation nouvelle, un message nouveau qui t'appelle à avoir une autre attitude, une attitude d'élu et non pas une attitude de paniqué ou de paniqueur. Parce que c'est contagieux. Il y en a même qui paniquent tellement, ils vont jusqu'à aller même à contaminer aussi leurs voisins. Toi, tu étais serein dans ton coin en train de prier. Quelqu'un va venir t'embrouiller avec une information parce que tu as décidé peut-être de te déconnecter au moment des informations pour te concentrer sur la prière, fermer les yeux pour prier. Quelqu'un va venir te réveiller dans ta prière. Ah, mais toi aussi, ne t'inquiètes-tu pas de là où le monde est en train de partir? Ne t'inquiètes-tu pas de cela? Hein? Viens, on va paniquer ensemble. À ce moment-là, dis-lui, mon frère, ma soeur, reste tranquille. Si tu veux, continue de paniquer. Moi, je veux prier. Celui qui parle aux tempêtes, celui qui se lève et qui dit à la mer, calme-toi, et elle se calme. Celui qui est capable de se lever et de dire à une épidémie, ça suffit, cesse. Arrête-toi maintenant et l'épidémie s'arrête. C'est celui-là que je veux invoquer. C'est celui-là que je veux appeler. Et si tu avais encore des doutes, regarde la réponse de Jésus. Regarde la réponse de Jésus. Il dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire que c'est même pas la foi qui a fait qu'ils ont appelé Jésus. C'est la peur qui a fait qu'ils ont appelé Jésus. Arrête d'appeler Jésus dans cette situation par peur, mais appelle-le par foi, dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant cette parole. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas prier afin que le Seigneur te délivre de tout esprit de peur qui est demeuré encore, malgré tous les enseignements que tu as écoutés, malgré toutes les exhortations que tu as reçues, malgré tous les passages que tu as eu à lire. Le Saint-Esprit t'a conduit lui-même dans des passages. Mais c'est comme si cette parole-là a tari dans ton cœur face à l'actualité grandissante, face aux nouvelles qui venaient. Tu avais mis ta confiance dans le soleil de l'Afrique en te disant que le soleil de l'Afrique allait empêcher ce virus-là de se répandre. Tu avais mis ta confiance dans la chloroquine en te disant que la chloroquine allait empêcher ce virus d'avancer. Et tu reçois une autre information par l'actualité qui te dit que non, ça n'a pas marché ici. Non, malgré le soleil, il y a eu tel cas en Afrique, tel nombre de cas ici et là. Et tu commences à
chercher une autre solution. Chaque jour, chaque 15 minutes, tu suis les actualités, tu suis le journal pour essayer de trouver un nouvel espoir. Pourquoi cherches-tu si loin ce qui est tout près? Tout près de toi, il y a une solution qui vient de ton Seigneur. Jésus qui sauve est celui-là qui te délivrera de toute forme de peur, est celui-là qui mettra fin à cette pandémie dans le nom de Jésus. Commence à élever la voix vers le Seigneur. Prie là où tu es. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons, ô Adonai. Nous te bénissons, ô Père. Nous te bénissons, ô Dieu. Parce que la peur n'est plus. La peur se tait. Nous sommes complètement libérés. Nous sommes complètement transformés. Nous sommes complètement amenés d'un point A à un point B. D'une position de faiblesse, d'une position de peur, à une position d'assurance, à une position d'assurance, à une fermeté dans la prière. Tenons les mains levées vers toi, levées vers le ciel. Non seulement en signe d'abandon, mais en signe d'invocation. Nous ne voulons plus t'appeler à te réveiller dans la barque du monde en panique, mais nous voulons t'appeler pour dire: Seigneur, regarde cette mer. N'es-tu pas plus grand que cette mer? N'es-tu pas plus grand que ce virus? Parle, parle Seigneur, parle à cette situation, parle à cette situation. Nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Adonai, nous t'invoquons au Dieu, nous t'invoquons au Père. Viens maintenant et agis, agis. Peut-être qu'autour de toi des gens sont déjà malades et que tu attends ton tour. Tu attends que, à ton tour également, tu tombes malade parce que tu étais en contact avec quelqu'un qui était malade. Si tu reçois maintenant cette parole, rien ne t'arrivera. Il te fait surmonter, il te fait surpasser cette contagion, il te fait surmonter cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Par la peur, tu avais même appelé les symptômes, tu avais même appelé la maladie à se manifester. Mais en ce jour, tu reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. La peur te quitte, les chaînes de la peur tombent, les chaînes de la peur tombent au nom puissant de Jésus. Les chaînes de la peur tombent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? En poussant des cris de joie si tu le peux, car c'est un temps de réjouissance, c'est un jour de joie encore que le Seigneur nous accorde dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis encore très heureux de vous retrouver et partager la parole avec vous, cette parole que dans laquelle le Seigneur a commencé à nous conduire. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Mohamed, pour les différents enseignements qu'il a eu également à partager avec nous tout au long de cette semaine. Et depuis le dimanche dernier, nous avons été encore une fois édifiés et nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège et l'honneur qu'il nous fait d'entendre sa voix à chaque fois, de nous apporter une parole d'encouragement, de nous édifier et nous donner d'aller encore plus de l'avant. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons continuer sur ce sur quoi Bloom Praise. Merci, vous pouvez vous rasseoir. On acclame le Seigneur pour Bloom Praise également. Alléluia. Nous allons continuer sans plus tarder ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Amen. À savoir parler. On a parlé du jugement pour les nuls. Mais non pas seulement pour les nuls, mais également pour les pros. Et pour toutes les personnes qui nous prennent en marche, je tiens à préciser que le jugement pour les nuls, ça ne veut pas dire qu'on est en train de t'insulter. On n'est pas en train de dire que tu es nul. On est en train de dire que c'est peut-être nouveau pour toi, l'atmosphère dans laquelle on est en train d'aller, c'est peut-être brusque pour toi qui découvre ce que pourrait être un jugement ou à quoi pourrait ressembler un jugement, et même le jugement dernier, pour toi qui n'es pas familier à certains livres de la Bible comme Matthieu 24 ou Apocalypse, qui nous parle de ces jours qui vont venir, nous voulons partager ensemble cette parole-là pour que nous soyons situés. Mais également pour toi qui estime que tu as cette connaissance des jugements, ce n'est pas une surprise pour toi, mais tu pourrais avoir à te demander: est-ce que tu es en train d'avoir la bonne attitude? Est-ce que ce que Dieu attend de toi, tu es en train de le faire? Est-ce que tu es là à la place à laquelle Dieu veut que tu sois? Également, cette parole te concerne. Amen.
Et nous allons sans plus tarder aller dans le livre de Genèse que nous avons essayé de lire la dernière fois, mais nous ne sommes plus attardés sur l'histoire de Sodome et de Gomorre, donc ce qui s'est passé avec Lot et sa famille lorsqu'il a été sauvé. Et nous voulons aujourd'hui nous attarder sur ce que Abraham a eu à faire en tant qu'élu. Amen. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 18. Nous allons lire les versets 16 jusqu'au 29 au moins. Alléluia. Et je vais demander à quelqu'un de m'aider pour la lecture. Genèse, chapitre 18. Amen. Versets 16 à 33. Genèse. Genèse 18, verset 20, verset 16. Les hommes se levèrent pour partir et ils regardent dans la direction de Sodome. Alléluia. Amen. On peut avoir une version. Tu peux. Amen. Donc, juste pour nous rappeler le contexte, pour nous situer dans le contexte, Abraham avait rencontré trois personnes qu'il avait vues pendant qu'il était devant sa porte, et il avait invité ces personnes qui en réalité étaient des anges de l'Éternel qui venaient avec un message de l'Éternel pour lui. Et donc cette parole de l'Éternel qu'il avait reçue concernait donc l'enfant qu'il allait avoir de Sarah et qui annonçait donc la future postérité d'Abraham. Amen. Et au verset 16 donc, la Bible dit que ces anges, après avoir délivré cette parole, après s'être restaurés auprès d'Abraham, après avoir mangé et qu'ils aient délivré cette parole, ils s'apprêtaient donc à continuer leur chemin. Amen. Et donc, c'est le passage qui nous intéresse aujourd'hui. On va lire la suite de ce passage à partir du verset 16. Et c'est là que la Bible nous dit donc, on peut reprendre le verset 16. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Verset 19. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Donc, voilà une question que Dieu se pose. Et il nous donne en quelque sorte une réponse. Au verset 17, il nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et au verset 19, l'Éternel encore nous dit, car je l'ai choisi. Et je l'ai choisi pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Donc, il a choisi Abraham pour un objectif, pour un but bien précis. Et ce but était lequel? C'était qu'il garde la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, si tu te souviens, le dimanche dernier, on disait que quand il y a un jugement, il y a également des élus. Un jugement fait toujours ressortir des élus. Et un jugement frappe des personnes qui ne sont pas élues. Un jugement frappe des personnes qui ne sont pas élues. Et dans un jugement, il y a toujours, ou presque toujours, une élection, un choix de personnes qui se fait ressentir, qui se fait voir. Alléluia.
Et voilà encore que Dieu vient confirmer cela à travers cette histoire qu'on a avec Abraham en parlant de Sodome. Amen. On continue au verset 20. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Et Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. » Amen. Amen. Avant de poursuivre notre lecture, on va revenir au verset 22, où la Bible dit donc, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. » Dis à ton voisin, « Encore !» Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Et je veux juste te faire remarquer quelque chose. Je te disais en entrée que ces personnes étaient trois. Il y avait trois personnes qui étaient venues rencontrer Abraham, à la rencontre d'Abraham. Et la Bible dit que ces hommes s'éloignèrent et allèrent vers où ? Vers Sodome. Quand ces hommes se sont éloignés pour aller vers Sodome, la Bible déclare que « Mais Abraham est resté encore » en présence de l'Éternel. Abraham est resté encore en présence de l'Éternel. Et tu vas le comprendre plus loin, parce que effectivement, si tu continues la lecture, si tu lis l'histoire jusqu'au chapitre 19, tu comprendras qu'il n'y a que deux personnes qui sont arrivées à la rencontre de Lot, qui ont rencontré Lot à Sodome. Elles n'étaient que deux, pourtant elles étaient trop au départ. Amen. Et comprends quelque chose. Donc Abraham est resté avec l'Éternel pendant que les hommes partaient à Sodome. Alléluia. Donc, Abraham est resté où? Il est resté dans la présence de l'Éternel. Il est resté dans la présence de Dieu. En tant qu'élu, voilà ce que Abraham a trouvé à faire. Abraham n'a pas fini de manger. Il n'a pas reçu sa bénédiction, tout simplement, en disant qu'il aura un enfant, alors qu'il aspirait à cela depuis des années, alors qu'il a reçu une réponse, un exaucement du Seigneur. Abraham ne s'est pas contenté d'être rassasié dans son coin, dans sa couche, pour dire, ok, bye bye, homme de Dieu, vous partez, merci pour la parole, allez-vous-en maintenant. Non, Abraham, la Bible dit, déclare déjà au verset 16 du même passage que ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et encore plus loin, on voit que la Bible dit, Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Pourquoi ils étaient encore en présence de l'Éternel? Parce qu'ils voulaient intercéder. Intercéder en faveur de Sodome. Sachant quoi? Sachant que son neveu Lot y vivait. Amen. Elle va commencer par... avec un défi qui peut être atteignable. Avec un petit chiffre de 50. Et il va aller jusqu'à diminuer les chiffres pour essayer d'atteindre même 10 justes, jusqu'à ce que le Seigneur lui accorde ces 10 justes. Tout ce qu'Abraham est en train de faire ici, tout ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il était en train d'intercéder pour une ville. Comme aujourd'hui, les élus sont appelés à intercéder pour tout un monde, pour plusieurs nations, plusieurs continents. Voici le rôle des élus dans cette situation. Et tu comprends que si tu as peur, si tu es frappé par la peur, tu ne pourras même pas être efficace un seul instant. Au contraire, tu vas produire des fruits qui ne sont non loin, loin d'être des fruits des élus, des fruits d'intercession, des fruits de combat spirituel, qui seront plutôt même des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Amen. Et nous allons le voir tout à l'heure. Et voici donc comment Abraham se met à intercéder. Et on va aller directement au verset 33. Verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham, à ce moment-là seulement, s'en retourna dans sa demeure après avoir accompli sa mission d'élu.
Amen. Amen. Et donc voilà comment Abraham a retenu l'Éternel pour intercéder en faveur de Sodome jusqu'à recevoir un accord ou une validation de Dieu avant de retourner à sa maison. Amen. On va également lire un autre passage. On va aller plus loin cette fois-ci dans le livre de Genèse 19, juste pour te confirmer cette idée, au verset 29, tu comprendras. Après, il y a toute l'histoire de Sodome et Gomorre qui s'est passée, tout ce qui s'est déroulé avec sa femme, avec sa famille, avec ses filles. Et ça, c'est dans le verset, c'est dans le chapitre 19, pardon. Et il y a juste un verset qui nous interpelle ici, qu'on va rappeler, toujours pour parler d'Abraham, c'est le verset 29, où on voit clairement au verset 29, je le lis, lorsque, donc Genèse 19, 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Amen. Il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, c'est à cause de la prière d'Abraham que Lot a été épargné avec une partie de sa famille, donc avec ses deux filles, à cause de la prière d'Abraham. Amen. Et on va aller encore plus loin dans la parole. On va prendre cette fois-ci le livre de Nombres. Et nous allons lire Nombres 21. Les versets 4 à 9. Nombre 21, les versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Alléluia. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il s'agit ici donc du peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en train de traverser le désert, où ils se retrouvent encore confrontés à une impatience. Impatience. Répète et retiens bien ce mot. C'est de l'impatience. Amen. Et on continue, verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 26. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Amen. Nous sommes ici encore en présence une fois de plus d'un, tu l'as deviné, un jugement. Amen. On continue. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Beaucoup de gens en Israël moururent après avoir été mordus par ces serpents brûlants. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 6? Au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Amen. Verset 7 donc. Le peuple vint à Moïse et il dit: nous avons péché contre toi, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Donc qu'est-ce que le peuple fait dans cette situation de jugement de Christ? Il se tourne vers une personne. Une personne qui est à leurs yeux cette personne élue, cette personne choisie de Dieu. Et elles vont se tourner vers lui parce qu'elles espèrent que la solution viendra de cet élu. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse pria pour le peuple. Moïse pria
pour le peuple. Encore un autre exemple d'intercession et de prière que l'Éternel attend d'un élu. Moïse donc pria pour le peuple. Et quelle est l'instruction que Dieu va lui donner à la suite de cette prière? On va le voir. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Amen. Continue. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Donc, voici ce qui va se passer. Voici ce que Moïse va faire après avoir prié le Seigneur. Il reçoit donc une directive. Il reçoit une directive claire de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui demande de faire un acte qu'on va dire simple. Il demande à Moïse de faire un serpent d'airain, un serpent brûlant, le même symbole du fléau qui frappait le peuple, de le faire et de le dresser devant le peuple. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, quiconque regardera le serpent sera guéri. Donc Moïse, dans son intercession, dans sa prière, reçoit une directive de la part de Dieu. Et pendant qu'il reçoit cette directive, qu'il accomplit, qu'il a fait, le peuple reçoit également sa solution, le peuple reçoit également sa guérison. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que la Bible dit, quiconque regarde le serpent reçoit la guérison. Quelle que soit la source, quelle que soit l'origine de ta maladie, quelle que soit ton origine ethnique, quelles que soient tes croyances, quelle que soit ton appartenance ou pas au peuple juif, quiconque, la Bible dit quiconque regardait le serpent était guéri. Et ça me rappelle une exhortation qu'un célèbre évangéliste avait donnée en parlant de ce passage. Et en disant qu'il s'imagine même qu'à cette époque, avec une instruction aussi simple, il suffisait juste de regarder le serpent et d'être guéri. Il y en a qui, au lieu de regarder le serpent, continue à regarder l'homme, continue à regarder l'homme Moïse, en disant « Moïse, viens nous sauver ». Et ça me fait penser à ces personnes qui disent « Où sont les hommes de Dieu maintenant ?» dans cette situation qu'on connaît, pendant qu'on traverse cette épidémie qui semble déstabiliser toutes les nations, où sont les hommes de Dieu maintenant? Il y a des gens qui vont continuer de regarder à l'homme, qui vont continuer de s'attendre à l'homme. Et peut-être que c'est ta situation, peut-être que c'est ton cas. Tu attends que quelqu'un d'autre se lève dans la prière pour prier pour toi. Et tu attends le salut. Tu attends qu'il vienne d'ailleurs. Tu attends que le salut vienne des États-Unis. Tu attends que le salut vienne de la France ou d'un autre continent pour toi qui es plus développé. Alors que le Seigneur te donne une orientation simple, une direction simple. Mais tu es en train d'attendre le salut qui vient des hommes. Amen. Que le Seigneur puisse en ce jour recadrer tes regards. Recadrer tes regards et que tu puisses discerner et voir ce qu'il a tracé comme chemin pour toi. Et que tu puisses regarder à ce serpent-là. Comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, et trouver la solution du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, c'est encore une fois une autre directive et une autre confirmation de ce que le Seigneur attend de nous, de l'appel qu'il attend de nous pendant cette crise sanitaire que nous vivons, pendant ces périodes difficiles. Et tu vois qu'à chaque fois, ces hommes de Dieu étaient à leur place. À chaque fois, ces hommes de Dieu jouaient leur rôle. Ces hommes de Dieu étaient à l'écoute. Ils étaient en éveil, en train de chercher le Seigneur, en train de répondre à une attente, à un besoin. Souvenez-vous, je vous disais le dimanche dernier que c'est comme si le Seigneur décidait de frapper Sodome et pendant qu'il était en train d'aller, il cherche quelqu'un sur la route. Lui-même, il essaie de trouver une raison de s'arrêter, une raison de ne pas frapper. Et c'est comme ça qu'il se dit, cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire? Amen. Et effectivement, il trouve sur sa route Abraham qui intercède. Aussi, dans ce jugement qu'il avait adressé au peuple d'Israël avec les serpents, il cherchait encore un homme pour pouvoir arrêter cette pandémie et il a trouvé Moïse. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu te trouve en ce moment-là? Regarde-le. Si tu es tout seul, pose-toi la question à toi-même. Est-ce que Dieu te trouve ?
en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'écouter cette parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as cessé de faire ce que tu avais l'habitude de faire depuis tout ce temps de confinement. Tu as arrêté d'aller à l'école depuis plusieurs jours déjà. Tu t'es peut-être rattrapé sur des séries, des films que tu n'avais pas pu voir. Tu as pu tout regarder, saison 1 jusqu'à saison 8 de certaines séries. Tu t'es consacré à Netflix au lieu de te consacrer à net Christ. Amen. Plutôt que de regarder Christ, plutôt que de télécharger tous les enseignements que tu n'avais pas eus, plutôt que d'aller te saturer de la parole en pensant à l'après-Covid-19, tu t'es plutôt saturé de choses qui ne sont pas pour toi un objet d'édification, qui ne sont pas pour toi une source d'édification. Et par la suite, tu es juste surpris, tu es juste étonné de voir que tes sentiments charnels sont en train de revenir. De voir que les victoires que tu avais par le passé commencent à revenir. De voir que la masturbation que tu avais abandonnée est revenue en force. De voir que ces sentiments que tu avais surmontés, les sentiments que tu avais pour ce jeune homme ou pour cette jeune fille que tu avais surmontés sont revenus. Et tu as subitement, soudainement, envie de lui écrire. Mais tu m'étonnes, qu'est-ce que tu as regardé avant? Si tu t'es investi, si tu t'es rempli de telenovelas, mais c'est normal, amour brisé, reconstitué, tu seras dans ce module, tu seras dans ce move et tu auras envie de faire ça. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que le diable, lui, ne dort pas. Confinement ou pas, il va envoyer des semences. Il va te préparer à t'enfoncer. Il va profiter de cet isolement spirituel, cet isolement fraternel que tu as pour essayer de te frapper au maximum. Parce que souviens-toi, il est celui qui rôde et qui cherche qui il va dévorer. Il est celui qui rôde comme un lion cherchant sa prochaine proie, sa prochaine victime. Malheureusement pour lui, tu étais chaque fois édifié, même quand tu voulais faiblir, tu recevais une parole qui t'encourageait, tu recevais une visite d'un frère, tu recevais quelque chose, en tout cas un dimanche peut-être, en venant à l'église qui te donnait la force de dire non. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cela. Aujourd'hui, tu peux assister à un culte en ligne ou ne pas y assister. Tu peux même peut-être, comme en ce moment, être en train de le regarder, mais tu es relax, tu es couché dans ton lit et tu es sur le point de t'endormir. Peut-être. Peut-être que tu es en train de le faire en mangeant et que tu es distrait. Tu peux mettre pause, tu peux arrêter. Ou tu peux revenir. Comme tu peux ne pas revenir à l'enseignement. Comme tu peux ne pas terminer l'enseignement. Mais par contre, ce qui sera toujours au rendez-vous, c'est les réseaux sociaux. Ton Instagram sera bien là. Ton YouTube sera bien là. Les vidéos à regarder seront là. Les vidéos drôles seront là. Amen. Et tu vas t'enfoncer dedans sans t'en rendre compte. Commencer à bâtir en toi tout un raisonnement charnel, à nourrir la chair plutôt que nourrir l'esprit. À commencer à raisonner en te disant, toi-même Seigneur, tu sais que la chair est faible. Le confinement nous ne l'arrange pas. La chair est faible, mais tu as oublié l'autre partie du passage qui est même avant. L'autre partie du passage qui dit que l'esprit est bien disposé. Ça, tu ne le confesses pas. Tu confesses que la chair est faible, mais tu ne confesses pas que l'esprit est bien disposé. Et tu vas commencer à entrer dans une permission. Tu ne vas pas comprendre, mais tes statuts vont commencer à changer. Il y a des statuts qui vont commencer à t'intéresser. Tu vas commencer à toi-même passer du temps sur les statuts WhatsApp d'autres personnes qui avant, que tu exhortais, que tu évangélisais, mais c'est maintenant eux qui vont commencer à t'évangéliser. Et toi-même, tu vas commencer à poster des statuts. Tu vas commencer à faire des choses que tu avais arrêté de faire depuis longtemps. Des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, que tu vas recommencer à faire parce que tu es en train de t'enfoncer, parce que tu es en train de t'éloigner. Et tu vois, tout cela est un plan du diable. C'est un projet satanique pour jouer un rôle particulier, pour faire en sorte que tu ne sois pas attentif, que tu ne sois pas devant la porte de ta maison, que tu ne sois pas là, à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois pour pouvoir jouer ton rôle d'élu dans cette crise qui appelle, qui crie, qui décime, qui neutralise plusieurs personnes qui étaient censées donner leur vie à Jésus. Tu n'es pas en train d'intercéder pour appeler des âmes qu'elles se repentent avant de donner leur vie, avant de mourir. Qu'elles se repentent, qu'elles donnent leur vie au Seigneur avant de mourir. Mais tu es en train de passer ton temps à regarder même des vidéos pornographiques, malheureusement. Et le pire, c'est que quand tu finis d'être ainsi distrait et que tu finis par toi-même céder au péché, tu ne te sens même plus assez juste, suffisamment juste
pour te tenir devant la face du Seigneur, parce que le sentiment de culpabilité sera maintenant multiplié et décuplé par le diable. Et tu t'éloignes complètement du projet de Dieu pour toi en tant qu'élu. Amen. Et pourquoi c'est important que tu sois là? Pourquoi c'est important que tu sois à ton poste? Nous allons le lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. On va se focaliser principalement sur les versets 10 et 11 qu'on avait partagé plus tôt en semaine avec le pasteur Mohamed. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11, nous dit ceci. Nous exhorte donc à faire quoi? À travailler à affermir notre élection. Travailler à affermir notre élection. Et le pasteur Mohamed nous a énormément encouragé et exhorté sur ce passage-là. Et quand j'ai voulu le méditer, j'ai été interpellé par ce qu'il disait avant. Parce que ça va tellement avec la situation qu'on vit en ce moment. Amen. Et je veux remonter jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Continue. Pour la connaissance de notre Seigneur. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On continue encore verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli quoi? La purification de ses anciens péchés. Alléluia. Et enfin, on arrive au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Amen. Donc, plusieurs éléments ici nous interpellent à travers ce passage donc, qui parle d'oisiveté. Amen. L'oisiveté est... Si on peut la définir comme ça, on peut la définir comme la mère de tous les vices. Amen. Et malheureusement, dans ces périodes de confinement, dans ces périodes de déplacement limité, l'oisiveté a pris le dessus. Tu bosses plus comme tu bossais avant, tu n'as plus forcément la pression. Pour les plus conscients, il y en a qui sont conscients, qui bossent, il y en a qui ont fini le programme de l'année, vous savez ça. Il y en a qui ont déjà fini le programme de l'année. Amen. Il y en a qui ont vu en ça une opportunité pour bosser en avance. C'est le premier des classes là et autres. Amen. Mais d'autres personnes sages aussi l'ont fait. Ont essayé d'accélérer ou bien de rattraper au moins leur retard. Amen. Mais bon, pour la plupart, tu te dis que c'est une opportunité, c'est une occasion. C'était compliqué déjà pour toi. Tu appréhendais même le bac ou bien ce BTS là. Et tu as eu cette opportunité. Tu es en train de prier même que la crise n'a qu'à durer un peu. Peut-être on va faire une année blanche et puis c'est fini. Tu vas recommencer ton année tranquillement, aller passer ton bac bien, ton BTS ou bien faire tes trucs. Amen. Par la grâce du Seigneur, ça ne va pas arriver. Alléluia. Amen. Et donc, voilà que dans l'oisiveté, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et ce passage-là nous le reflète un peu, nous le relate un peu en parlant de même, quand il dit, faisant au verset 9, il a mis en oubli la pureté.
purification de ses anciens péchés. Il met en oubli quoi? La purification de ses anciens péchés. Frère, si tu es en train de lutter en ce moment avec tes anciens péchés, ce n'est pas simple. Dis-toi à toi-même. Laisse ton voisin cette fois-ci, dis-toi à toi-même. Ce n'est pas simple. Si je suis en train de lutter avec mes anciens péchés, ce n'est vraiment pas simple. Ça va bien avec une période de jugement. Ça vient bien à une période où l'élu n'est pas en train de faire son travail, où l'élu n'est pas à la place à laquelle il doit être, où l'isolation, où le confinement est en train d'agir d'une manière où ce n'est pas bon. Amen. Amen. Et donc, je veux prier le Seigneur que tu comprennes aujourd'hui que tu as un rôle à jouer, que tu n'es pas appelé à t'enfouir dans une reconnexion avec ta vie passée, mais qu'au contraire, tu as appelé à affermir ton élection. Et j'ai bien aimé l'image que le pasteur Mohamed a donnée en disant que c'est comme une personne qui a été élue. Une personne qui a été élue, elle affermirait son élection comment? En confirmant le choix des électeurs. C'est-à-dire que même pour celui qui ne l'a pas voté, quand il va voir le travail que cet élu politique aura fait dans le pays ou bien dans sa ville, ou bien autour de lui, il va dire « Ouais, je me suis trompé, je ne l'ai pas voté, mais heureusement qu'il est passé, heureusement qu'il est élu. » Donc tu es en train d'affermir ton élection. Dieu t'a appelé, certes, mais est-ce que tu es élu? Tu es élu, oui. Mais est-ce que tu as fermé ton élection? Tu vois, ce serait dommage que tu sois allé si loin et que tu rates l'objectif final. Maintenant, à toi, qui peut-être même n'a même pas encore répondu à l'appel de Dieu, toi qui n'as pas dit oui à cet appel, alors qu'il t'a appelé de nombreuses fois, on avait basé nos enseignements de ces dernières semaines, de ces derniers mois, sur le passage de Matthieu 22. Verset 14, qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. » Tu comprends? Et l'histoire que Jésus avait relatée, c'était une histoire d'appel. C'était une histoire d'invitation à venir participer à des noces. Toi, depuis combien de temps le Seigneur te cherche? Depuis combien de temps il t'a appelé? Depuis combien de temps il a frappé à ta porte? Mais tu ne lui as jamais ouvert cette porte. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Dans ces temps de jugement, dans ces temps où il y a une maladie qui frappe certaines personnes, l'occasion t'est donnée maintenant de rattraper ton retard et de ne pas simplement répondre à l'appel, mais de devenir très rapidement un élu du Seigneur. Et je veux t'inviter, te lancer cet appel solennel, te rappeler ce que le Seigneur a dit sur ta vie, te rappeler toutes les fois où il a eu à t'appeler, où tu as eu à entendre sa parole. Je veux t'inviter à répondre oui à cet appel, à dire oui à Jésus, à croire en lui pour croire qu'il est capable de changer ta vie, de transformer ta vie, de te donner une vie nouvelle, de t'accorder son salut gratuit qu'il a payé pour toi à la croix alors que tu n'en étais même pas encore conscient. C'est lui qui l'a fait. Il ne te demande pas de le faire par tes propres forces. Lui, il veut te donner ce salut gratuitement. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Si tu veux le faire, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Si tu es dans ta chambre déjà, tant mieux pour toi. Alors, tiens-toi debout simplement, mets-toi à genoux, fais quelque chose, mets-toi dans une position, dans une attitude, ou reste couché si tu veux. Mais maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux et à remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux renoncer à ma vie passée. Je veux répondre à ton appel et je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Fais maintenant cette prière-là. Parle à Dieu ainsi. Dis-lui avec tes propres mots. Seigneur, je veux que tu prennes ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux arrêter d'être celui qui soit au volant de ma propre vie. Mais je veux que toi, tu prennes le volant. Je veux descendre du véhicule de ma vie, me mettre du côté passager et te regarder conduire ma vie. Viens, Seigneur. Prends ma vie maintenant et je t'assure que maintenant que tu fais cette prière, pendant que tu fais cette prière, Jésus t'exauce, Jésus t'écoute, Jésus t'entend et il saisit ta vie véritablement. Amen. Et pour toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, pour toi qui as appelé, qui as choisi, pour toi qui as élu, mais qui est en train de te laisser distraire, qui est en train de te laisser ensevelir,
par le monde et l'amour du monde. Pour toi qui es en train de faiblir dans la prière, qui est en train de te laisser aller, je vais t'inviter à te fâcher ce jour, à te tenir debout et à te révolter. À te tenir debout et à te fâcher, à te révolter. Et à dire, Seigneur, je n'étais pas là où je devais être, mais à compter d'aujourd'hui, je veux renoncer à mon vieil homme. Je veux renoncer à ma vie passée. Je veux renoncer à ce dans quoi j'ai recommencé à me mettre. Et croire qu'en ce jour, tu me rattrapes. Que tu me revêts de ton sang. Que tu me remplis de ton esprit. Que tu me nourris de nouveau. Et prends une décision. C'est vrai, tu as fait tout ce que tu as fait. Tu as regardé tes séries, tu as regardé tes films. Mais maintenant, va et plonge-toi dans la parole. Plonge-toi dans des enseignements que tu as déjà écoutés. Réécoute-les. Plonge-toi dans des enseignements que tu n'as pas encore écoutés. Il y a plein de solutions que Dieu t'a déjà données à travers sa parole. Je t'invite à prendre une décision aujourd'hui, à te nourrir de cette parole-là, à te reconnecter à la vision divine, à te reconnecter à ce projet que Dieu a pour toi. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Sois restauré, sois renouvelé, sois fortifié. Prends une décision. Décide d'avoir la victoire sur le péché. Décide d'avoir la victoire sur tout attrait. Décide d'avoir la victoire sur toute attraction, toute attirance pour le monde. Toute attirance pour ces choses auxquelles tu avais renoncé. Prends des décisions maintenant. Sanctifie ton téléphone. Sanctifie tes statuts. Sanctifie tes contacts. Sanctifie ces personnes que tu vas regarder. Sanctifie tes abonnements. Sanctifie les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Commence à regarder autre chose. Commence à te nourrir d'autre chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce soit relâchée. Que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Si tu connaissais quelqu'un autour de toi qui avait faibli, commence maintenant à chercher à l'encourager. Commence à chercher la face du Seigneur maintenant pour aller l'encourager. Si c'est toi-même qui avais faibli, alors le Seigneur t'a restauré déjà parce que tu as fait cette prière, parce que tu l'as appelé. Seigneur, étends ta main maintenant sur la vie de tes enfants. Crée en eux la soif. Crée en eux cette soif. Crée en nous la soif de te chercher constamment. Crée en nous cette piété, crée en nous cette tempérance, crée en nous ce sel pour te chercher encore davantage. Toi qui nous délivres de l'oisiveté, nous ne voulons pas être des David qui après le combat se sont laissés séduire. Nous ne voulons pas être des David séduits par l'oisiveté. Mais nous voulons être des personnes connectées à toi, remplies, enrichies de toi, dans le nom puissant de Jésus. Accomplis ces choses, Père. Accomplis ces choses, Adonai. Accomplis ces choses, oh Dieu. Accomplis ces choses. Rebayanda la cité yanablo, Satan. Au nom puissant de Jésus, toi qui nous exauces, toi qui nous exauces, toi qui nous exauces, toi qui nous exauces, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Celui qui est notre source. Celui qui nous remplit, celui qui nous fortifie, celui qui nous renouvelle. Celui qui renouvelle nos forces là où nous étions fatigués, là où nous étions abattus. Alléluia. Et sans plus tarder, je veux t'inviter à préparer le repas du Seigneur que nous allons partager maintenant, encore une fois, dans ce contexte de jugement. Ce repas du Seigneur nous rappelle la Pâque. Nous rappelle que la Pâque a été instauré dans un moment de jugement terrible pour le peuple d'Égypte qui refusait à travers Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Et pour marquer la délivrance et la sortie d'Israël, pour marquer ce jugement qui était un jugement dernier pour l'Égypte, Dieu a instauré la Pâque pour la première fois. Et le symbole de cet agneau qui avait été sacrifié, de ce sang qui avait été récupéré, annonçait donc l'agneau qu'allait être Jésus également pour l'humanité, qui lui-même allait venir et être sacrifié, qui allait voir son sang versé également à la croix pour
toute l'humanité. Amen. Et j'espère que tu as pu avoir le pain et également le fruit de la vigne pour encore marquer ce symbole. Au moment de la Pâque, qu'a célébré Jésus avec ses disciples, qui était la dernière Pâque qu'il célébrait sur la terre. La Bible déclare que il prit du pain. Il rendit grâce. Et nous voulons en faire autant. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain. Nous te rendons grâce pour ce pain qui devient maintenant ton corps, symbole de toutes ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Ce corps qui a été flagellé, qui a été meurtri pour nous, pour notre délivrance, pour notre salut, pour notre guérison, pour notre rédemption, pour notre restauration. Nous te bénissons, ô Dieu, pour ce pain qui devient ton corps. Tu nous recommandes de manger ton corps et c'est ce que nous nous apprêtons à faire maintenant. Amen. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples. Ensemble, prenons le pain qui est le corps de Christ. La Bible déclare également qu'il prit la coupe et le rendit grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe qui devient ton sang. Ce sang versé pour nous, ce sang qui est le symbole de l'alliance nouvelle que tu établis avec ton peuple, tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour avoir accepté de payer ce prix-là. Pour nous, alors que nous étions encore loin de toi, pécheurs, éloignés de toi, éloignés de tes commandements, éloignés de tes sentiments. Mais tu nous as aimés le premier, comme le déclare dans ta parole. Et nous te sommes reconnaissants pour ce sang. La Bible déclare qu'il le donna également à ses disciples. En disant, prenez et buvez. C'est le sang de l'alliance. Ensemble, buvons le sang de l'alliance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Très fort encore. Avec des actions de grâce, avec un cœur reconnaissant. Parce que c'est lui qui nous garde du filet de l'oiseleur. C'est lui qui nous préserve dans toute forme de pandémie, de toute forme de maladie, de toute forme d'infection, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons... Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des finger acclamations pour ce puissant message que nous avons reçu? Le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Et il nous a encore parlé au travers de la bouche de son serviteur, de notre pasteur, coach Moïse. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir dans la maison d'un roi les mains vides. Alors tu vas apporter au Seigneur ce que tu as prévu pour lui. Voilà, nous sommes en train de participer à un culte à part entière. Tu vas envoyer, si tu ne peux pas te déplacer pour venir à Kodesh, tu vas envoyer sur le numéro qui va s'afficher maintenant sur ton écran via Orange Money, Move Money, par Mobile Money. Amen. Alors sans plus tarder maintenant, les offrandes peuvent commencer. Nous allons profiter en même temps pour suivre nos Bloom News. C'est là qu'on est prête, on peut commencer.
confinés ou pas, on reste connectés. Tout au long de la semaine, va sur notre page Instagram ou notre page Facebook et participe à nos discussions, à nos jeux. Like et partage nos vidéos. Alléluia. Yeah. Puissant culte pour ce puissant moment. Voilà, nous voulons maintenant recevoir nos nouveaux. Oui, en effet, même en ligne, on reçoit nos nouveaux. Nous sommes très heureux de te recevoir. C'est ta première fois que tu fais un culte avec Plume, jeunesse passionnée de Christ, la jeunesse de Vazonneur. Voilà, ce que tu vas faire, il y a un numéro qui vient de s'afficher sur ton écran. Tu vas entrer dans le PV de ce numéro, c'est-à-dire le WhatsApp de ce numéro. Tu vas échanger avec quelqu'un. On va te donner plus de renseignements sur nos activités que nous avons en ligne, sur les activités que nous avons. Alors sans plus tarder, avec Plume Praise, nous allons te recevoir à la façon Plume. Hey, hey, hey. Bienvenue à Plume, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie de te recevoir. Bienvenue à Blooma. Hey, ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Oh, oh, oh. Ta vie fera Bloom. Ah, Bloom, chargé. Chargé. Du Saint-Esprit, on est chargé. Chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Chargé. Pour que les nations soient changées. Chargé, chargé. Ah, chargé. Chargé. Du Saint-Esprit, on est chargé. Chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Chargé. Pour que les nations soient changées. Chargé. Reçois la grâce du Seigneur, reçois sa faveur, reçois la bénédiction de Dieu. Oui, oui, sois béni, sois béni. Sois béni, oui, sois béni, sois béni. Nous te bénissons, nous te bénissons. Tu es ici chez toi, tu es ici chez toi. Nous te bénissons, nous te bénissons. Tu es ici chez toi, tu es ici chez toi. Nous te bénissons, nous te bénissons. Tu es ici chez toi, tu es ici chez toi. Nous te bénissons, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la. La grâce est pour toi, ma sœur. Prends-la, prends-la, prends-la. 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 Nous te disons bienvenue à Plume. Alléluia. Bienvenue à Plume. Bienvenue parmi les anges de Jésus. Alléluia. Alors, nous tirons maintenant vers la fin de notre moment. Je ne sais pas pour toi, mais ce moment était puissant pour moi. J'ai reçu des choses puissantes. Et par le message Coach Moïse, on a compris que nous avons été confinés pour intercéder. Nous avons été confinés pour passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas le temps de lâcher prise. Ce n'est pas le temps de retourner aux choses que nous avions vomies autrefois. Mais c'est le temps de nous consacrer davantage avec Christ. Alors, sans plus tarder, tu vas te lever de là où tu es. Et nous allons ensemble élever la voix. Dis merci à notre Seigneur qui a permis que ce moment puisse se passer. Voilà, prions maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Oh Jésus, ta grâce Seigneur sur nos vies est admirable, Père. Nous bénissons Seigneur ton nom. Nous bénissons Seigneur ton esprit qui a été présent Seigneur en ce lieu. Nous te disons merci Père pour tout ce que tu as permis durant ce culte. Nous croyons que nous avons été renouvelés par toi, boostés par toi, remplis par toi. Nous avons reçu des choses nouvelles qui vont nous permettre de pouvoir entamer cette semaine avec assurance et foi. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Et quelqu'un peut dire Amen. Semaine avec